Salut à tous et bienvenue sur Mission Colonisation, donc sur Mars. Nous sommes le Sol 4 aujourd'hui. Et notre but de mission aujourd'hui est de poser le reste des machines, j'allais dire des matériaux, mais le reste des machines, afin de pouvoir essayer de produire quelque chose. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut le voir de la maison, du module là, notre installation sera là-bas. Peut-être que par la suite, là-bas sera hyper grande et fera tout le tour du module, qui sait, hein. Qui sait. Donc là, nos pommes de terre, qu'est-ce qu'elles racontent? Nos pommes de terre, elles sont... Ouais. Alors, je sais pas si elles sont déjà bonnes ou pas. Hein. Harvest, faites voir. Ouais. Donc elles sont déjà bonnes, on peut replanter d'ailleurs. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Plant seed. Si, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, on peut récupérer déjà des pommes de terre, c'est cool. Hop, harvest. Ah, j'ai plus assez de place. Mais on peut déjà récupérer des pommes de terre, donc on va les ranger aussi. Je vais essayer d'en manger une pour voir. Alors, attendez voir, parce que là... Et de toute façon, j'avais soif en plus, donc il faut que je bois. On va boire un litre, histoire de se mettre bien, parce que... au niveau de la... de l'eau, j'avais plus rien. Donc là, je suis full en tout. Donc là, je suis tranquille. Là, j'ai encore de la flotte. Ah bon, on peut mettre ici. On pourra mettre des choses. Alors, attendez voir. Les pommes de terre, j'ai pas réussi à les... dans mon inventaire, elles sont pourtant... Non, non, je les ai pas prises, en fait. Alors, on va prendre les pommes de terre. Voilà. Comme ça, on va tout de suite en replanter d'autres à côté. Avec les graines que j'ai, histoire de se faire pas mal de pommes de terre. Alors, on va essayer d'en planter ici, puisque là, il y a encore assez de place, apparemment. Ouais, mais il faudrait que je retire tout ça. Alors, attendez. Harvest, voilà. On va faire ça. Ah. Ah là 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 là. Faut que je prenne des graines, sinon ça fonctionne pas. Voilà. On va en replanter ici d'ailleurs. Hop. Voilà, comme ça c'est fait. Et peut-être que celle-là, je peux aussi la prendre. Oui, c'est bon. Du coup, je peux peut-être récupérer celle-là aussi. Non. Bon, c'est pas grave, on va en planter ici. Et voilà. Allez, plantation. Ça marche plutôt pas mal, hein. Ça marche plutôt bien même. Plutôt même très très bien. Les pommes de terre. On va prendre. On va prendre le reste ici. Voilà, ici, celui-là, il est plein. On va peut-être remplir celui-là maintenant. Ok. On va remplir celui-là aussi. Ah, j'en ai juste une encore là. Je crois que j'ai pas récupéré l'autre, c'est pour ça. Plant seed. Il n'y avait plus rien à récupérer, je crois, ici. Si, il y avait celui-là. Et les pommes de terre qu'il y a là aussi. Ah, je l'ai loupé celle-là. Donc il y en a deux qui sont au sol. Encore. Loupé. Voilà. On va voir si on peut manger. Hit. Ah, j'ai appuyé, c'est un mauvais. Donc on va essayer de manger. Attendez voir. Celui-là on peut le prendre. Oh mais c'est chiant. Alors, on va en manger une pour voir. Eat food. Ouais, bon ça fonctionne bien, c'est bien. Ok, on va tout de suite en planter.
Là, je crois que j'avais tout mis ou pas. Ici, c'était bon. Ici, on va planter encore deux. Ça produit pas mal hein, quand même. Hein. Ça produit vraiment pas mal de sachets, c'est cool. Du coup, on a pas mal de graines et franchement, on a de quoi survivre. Le seul problème maintenant qu'il reste à régler, c'est le problème de l'eau. Si j'ai l'eau et que j'ai la nourriture, c'est nickel. Donc ça, c'est encore à régler. On verra de toute façon tout ça. Donc, hop, on va mettre tout ce qu'on n'a pas besoin ici. Ah, je crois qu'on ne peut pas les mettre en fait. D'accord, on ne peut pas les mettre. Faut trouver un casier, un truc vide. Alors, y a-t-il quelque chose de vide? Non, par contre, il y a encore des pommes de terre à planter, c'est cool. Alors, on va prendre des sachets sur nous. Non, ben non, c'est pas la peine. On va les garder au pire des cas et on les mangera. Par contre, c'est juste l'eau qui m'inquiète. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup. Là, il me reste pas grand-chose. Et là, je n'ai plus rien. Donc, on va prendre ça. Je sais pas si je l'ai pris, mais bon. On va prendre de la flotte au cas où. Voilà. Et voilà. Comme ça, on a de quoi survivre. Allez, on va aller à l'extérieur, on va mettre la raffinerie en place et on va voir comment elle fonctionne exactement. Allez, let's go. On va aller fabriquer cette raffinerie. Donc apparemment l'énergie de mon véhicule est inépuisable au niveau de la lumière, hein. Comme on peut le constater. Il n'y a pas vraiment de batterie dessus. Le seul truc c'est quand on roule, l'oxygène c'est tout. L'autre source là, je sais plus ce que c'est maintenant. Faudrait qu'on aille voir. Je crois de l'hydrogène. Eh ben, je ne sais même pas à quoi il sert vraiment. Bon, il s'épuise aussi, mais je ne sais pas trop à quoi il sert. Voilà, voilà quoi. Donc allez, on va aller à l'imprimante, on va se fabriquer. Donc, on va par contre mettre la petite raffinerie parce que la grosse raffinerie, elle ne fonctionne pas. J'ai essayé. Donc on va prendre la petite. Donc ça, on va faire ça et ça et ça. Voilà, on la met ici. On va prendre un petit câble. Ah mince. Voilà, on a connecté une partie. Allez, on va mettre l'autre. Je vais regarder un truc. Alors là déjà, au moins, le panneau d'affichage, il s'est déjà affiché. Voilà. No longer barrel. Donc là, il demande un baril. Alors on va voir si ça fonctionne avec un seul câble. Si ça fonctionne avec un seul câble, on va pas mettre une deuxième. On va pas en mettre un deuxième, ça sert à rien. Donc hop, on va faire un baril, on va prendre les barils originaux parce que celui-là il me semble un peu bizarre là, ce baril. Il a, vous voyez, il a un trou ici là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi. Il y a des petits barils comme celui-ci, mais on va prendre les barils normaux. Les barils normaux, ce sont ceux-ci là, ceux-là. Voilà. Donc on va prendre ceux-là. On va les positionner. Donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc peut-être qu'à l'avant il faut mettre des barils vides. On va essayer. On va essayer. Ou alors, faut avoir que des barils vides. On va mettre des barils vides, on verra. De partout. Ou alors, on essaie déjà de mettre deux là pour voir. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'il raconte? La machine, elle raconte quoi, là? Alors, select input barrel, tag content, valide. Alors, on va essayer un truc. Alors, empty. Ok. Recon list. Ça. Alors, ça fait quelque chose? Non, ça fait rien. Donc là, il me faut des barils à l'arrière là. Alors il y a trois places à l'arrière. Trois places à l'arrière, d'accord. Donc attendez, il y a un schéma sur. Il y a un schéma. Donc on va essayer de prendre. Bon, déjà, on va poser d'autres barils un peu de partout là. Histoire de les remplir, hein, parce que sans barils, on ne remplit rien. On va mettre déjà au processeur atmosphérique. Nous allons tester avec le processeur atmosphérique les barils qu'il va nous produire. Alors on va déjà mettre ça. Voilà. Comprendre le système, hein. C'est écrit input input, donc c'est nickel. Et celui-là pareil, voilà, donc l'entrée et la sortie. Allez, toi on te met aussi ici, voilà, et toi en entrée à l'avant. Ok, donc on prend deux barils de Mars là, atmosphérique, et on les fout à l'avant. Donc là c'est bien, c'est nickel. Je peux produire quelque chose logiquement. Donc Mars atmosphérique, réaction liste, on va choisir, il y a quand même pas mal de choses, hein, vous pouvez le voir, split rock, il faudrait quoi, du sol, du, voilà, on peut fabriquer ceci, du Mars atmo, voilà, c'est tout, il n'y a que ça à faire je crois, hein. Il faut attendre, ou sélectionner input barrel, tat content, donc input barrel, ok. Donc on peut sélectionner out ici et select 3 output barrel for A. Donc il faut 3, il m'en faut 3, on va en faire un troisième. Voilà. Voilà, nickel. Et là on va pouvoir alors faire la réaction. Là ça va fonctionner. C'est ce qui a marqué, donc logiquement, ça devrait être ça. Hop, voilà. Processeur matériel, voilà, là on est en train de fabriquer donc du carbone, du dioxyde de carbone, du nitrogène et de l'argon. Donc il y a un baril qui est plein, voilà, du nitrogène, c'est nickel, le carbone, le dioxyde de carbone est fait et l'argon est fait aussi, il est en train de se faire, 4 sur 130, c'est en train de se faire en fait, voilà, c'est en train de se faire, c'est nickel. Donc on a vu comment ça fonctionne, hein. Donc on peut prendre un deuxième baril, processeur atmosphérique qui est ici, je crois qu'il est plein celui-là bientôt, ouais il est bientôt plein, et on va pouvoir faire la même chose alors, tout faire remplir, mais tout ça va falloir le stocker, donc attendez voir, on va fabriquer des caisses, ça va être simple, on va fabriquer des caisses et on va départager tous les produits que l'on fait, toutes les ressources que l'on fait du moins, ou alors on fabrique tout simplement un méga tank comme celui-ci. Mais il y en a un plus gros, il me semble, il est où? On va prendre un méga tank et on va les remplir. On va les remplir, là j'ai des caisses, vous voyez, de façon en fait à ce que je puisse l'utiliser pour par la suite pour la baraque, du moins pour la baraque, pour la, comment ça s'appelle, la station. Donc là il y a un méga tank. On va le prendre. Oh, celui-là, il est vraiment très gros. Alors, celui-là, là, on va pouvoir peut-être mettre plein de choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lui, pour l'instant, on va le mettre en stand-by. Il faudrait déjà que j'arrive à le sélectionner. On va le mettre en stand-by. On va voir déjà à quoi ça ressemble. Oui, on va le poser ici. Parce que lui, de toute façon, doit être relié à une plateforme. Vous pouvez le voir, de côté, il y a des picots, là, pour l'emboîter.
on va regarder où c'est. Alors les entrées se font par l'arrière, ok, d'accord. Donc on peut avoir, je pense, d'accord, là je pense qu'il va falloir à chaque fois le remplir de quelque chose. Donc de toute façon par la suite, dans la base, on mettra une plateforme extérieure avec, je sais pas, une dizaine de barils comme celui-ci. Et chaque baril aura son nitrogène, son oxygène, son tout ça. Mais ça va prendre énormément de temps hein, pour faire ça, je vous le dis de suite, ça va mettre énormément de temps. Donc soyez pas trop pressés hein, de voir les choses avancer vite, ça n'avancera pas vite. Hein. Je vous le dis de suite, je pense que ça, vous le savez. Donc on va prendre des barils, on va continuer. Hop, toi, on va te mettre ici. Voilà. On va regarder si... Alors lui, on peut le prendre. Et là, avec le Mars Wall, ça marchera de la même manière. Et toute autre source, on aura juste à les mettre sur la raffinerie. Et je pense que je vais en faire même un autre à côté du marceau là-bas pour éviter de me faire à chaque fois des mètres. Donc on a dit que les ressources se mettaient ici, voilà, donc vous avez vu c'est plein. Là c'est plein, donc c'est bon, on l'a remis, hop, on peut enlever celui-là, il faut que le processus continue. Donc rien de compliqué là, concernant la machine, ça fonctionne nickel, c'est bien. Par contre, dommage que la grande ne fonctionne pas. Donc tant pis, hein. Tant pis. Voilà. Je vais prendre le deuxième panneau solaire que j'ai posé. Je vais faire la même chose du côté du Mars Wall. Et ce que je pense qu'on fera sur le Sol 5... à mon avis, ce sera même sûr, il va falloir commencer vraiment là. On va poser la base. On va commencer à faire les fondations de la base, histoire qu'on puisse raccorder ensuite tout ce qu'on a besoin. Attendez, je vais mettre ça bien. Hop, je sais pas si je peux le mettre là, si ça va poser un problème ou pas. Alors, on va le mettre ici. J'espère que ça va aller. Et comme ça, on va pouvoir poser les tanks aussi pour les remplir. Pour éviter d'avoir trop de barils à gauche et à droite, parce qu'à mon avis, si je commence à produire là, ça va pas trop le faire. J'ai rien pour les ranger. J'avais mis des étagères pour ranger les barils, mais en fait, elles ne fonctionnent pas. Elles sont transparentes. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je peux vous montrer sur l'imprimante, mais elles ne fonctionnent pas. Et c'est dommage parce que ça aurait été vraiment très utile. Je les ai mis dans accessoires. Ici, vous voyez, là, j'ai un baril storage épique avec plein de compartiments pour ranger les barils. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est transparent. On ne voit pas l'item quand je le sors. Donc, dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre des grosses caisses type 3. Alors, lesquelles sont les plus grandes? Il n'y a pas vraiment de quantité. C'est pas marqué. On va prendre ces petites caisses-là. Et on mettra les barils à l'intérieur. Sinon, ça va être le bordel. Voilà. Par contre, ces barils-là, je ne sais pas. Vous voyez qu'il y a une petite entrée là. Je ne sais pas si on peut faire un raccord direct. On va en faire un. Je me pose la question si on peut faire un raccord direct, par exemple, sur avec un câble qui alimente directement sans en avoir besoin de passer son temps dessus. Et je suis sûr, je sais pas pourquoi, mais j'en suis sûr qu'on peut le faire. Après, je dis ça, mais c'est pas sûr. Hein, mais je sais pas pourquoi il y a ce trou à l'avant. Alors, on va prendre au moins un câble. Je veux juste pour voir, juste pour tester, pour voir si ça fonctionne. Ah, je sais pas trop comment ça fonctionne en fait. Il y a une entrée. Moi je pense qu'il y a une entrée dessus, ou c'est un ventilo, ou je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose dessus là. En tout cas, ils ont combien? 150. Et ceux-là, ils ont combien? 130. Donc ils ont 20 de plus. Bon bah écoutez, hein. On va prendre cela, hein. On va voir si ça fonctionne. Hein.
Voilà. Là, on va voir ce que le Mars World nous propose. Et après, on se laissera là. Donc là, j'ai un truc qui traîne, là, bon, c'est pas grave. Bon, le Mars World, il met quand même du temps à se remplir, hein. Le problème, c'est que quand le soleil se couche, vu que je n'ai pas mis cette machine-là, je vais vous montrer. Il faudrait que, si je veux que ça continue d'alimenter la nuit, il faudrait que je fasse ça. Cette machine, en fait, si vous voulez, ce sont des batteries qui fonctionnent, qui prennent le relais la nuit pour que, quand les panneaux solaires, il n'y a plus de soleil, ça affiche, du moins, ça continue d'alimenter tout simplement nos machines. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé le fonctionnement encore vraiment de cette machine puisque je ne l'ai jamais utilisée. Donc ça sera à voir par la suite. Pour l'instant, mettons les installations et après on gérera tout ça avec les batteries pour voir. Donc je pense que ça, à mon avis, se branche avec un deuxième câble dessus. Donc ça se met là-bas. On fout le panneau solaire dessus. Et de la machine, on repart directement sur... de la batterie, on part directement sur la machine. C'est peut-être comme ça que ça fonctionne, je n'en sais rien. En tout cas, il y a... y a une entrée... Non, donc ça c'est deux sorties. Donc peut-être que lui-même fait office de panneau solaire, parce que vous voyez la composition sur le côté. Je ne sais pas. Je crois que ça se déplie, je suis pas sûr, hein. Je ne sais pas du tout comment il fonctionne ce truc, hein. Alors peut-être que ça se déplie et peut-être que ça, là, ça tourne avec du vent aussi. Allons savoir. Allons savoir. Je connais pas du tout la fonctionnalité de cette machine. Donc allez. Vu qu'il n'y a plus de câble là-dessus, on pourrait peut-être alors se récupérer encore. On va mettre déjà des barils, hein. Des barils vides.